venant du sud, Liège se présente comme le cœur et l'ornement d'une longue vallée industrielle dont les techniques déterminent depuis plus d'un millénaire son visage mouvant. Quelques potagers subsistent au sein du désordre apparent des terrils, car on vit au pied des terrils. Les cônes de déjection des charbonnages à perte de vue ferment l'horizon. Depuis l'époque romaine, la grande affaire à Liège, c'est la houille. Les tours à molettes du puits Sainte-Marguerite se dressent en pleine ville. L'ombre séculaire des églises s'étend sur la cité. Ici, la plupart de ceux qui travaillent vivent sur les hauteurs. Au point du jour, le peuple descend dans la ville, là où il gagne son pain. L'usine unit ceux qui la servent, qu'ils viennent de la Flandre proche, qu'ils soient wallons de vieille souche ou italiens fraîchement immigrés, la communauté de l'effort lie d'amitié les ouvriers dont la journée commence. L'école aussi se trouve dans le bas de la ville. L'enfant refait le chemin de son père.
Liège est aussi un port fluvial grâce à la Meuse. Grâce surtout au canal Albert qui relie la Flandre à la Rhénanie. Présence du fleuve, la Meuse, une rue, une des grandes rues de Liège, paisible, animée pas plus qu'il ne faut. Rivalise d'ardeur, et on se charge d'un peu plus de peine encore, survivant d'une servitude qu'on espérait périmer. Mais, selon que vous soignerez ou non votre façade, les voisins vous jugeront bien ou mal. Après-demain le tirage, qui n'a pas son billet? Ne restez pas aveugle à la grandeur de l'entreprise. Aidez-nous à éclairer nos sujets d'outre-mer. L'œuvre missionnaire précède et facilite la mise en valeur de la colonie. L'Église enseigne à l'autochtone à cultiver ses muscles et préserve son âme du péché d'insubordination. La richesse du sous-sol assure le confort du maître, celui du noir dépend de la loterie. Le noir nous en sait gré. Dans la guerre, vous trouverez ses fils à côté des nôtres. Aidez-le en vous enrichissant. Peut-être demain serez-vous millionnaire. La rue Roture a des barreaux, d'où son nom de cage aux lions. Pensionné, sa tâche faite qu'attendre, sinon que vienne la mort. Et à 20 ans, qu'attend-on? Liège fut 9 siècles durant la capitale d'une principauté épiscopale intégrée au Saint-Empire romain de la nation germanique. Rien, ni la proximité de l'Allemagne, ni l'appartenance à l'Empire, n'eut raison de son attachement à la culture romane. La ville est restée la plus française du pays. C'est à l'abri de sa longue résistance que la Belgique put naître et développer ses traits particuliers. Charlemagne avait fait de nos provinces le centre de l'Empire d'Occident. Après 55 campagnes victorieuses, il unit l'Europe sous son sceptre. Lui mort, l'artifice de sa construction éclata. La ville se révéla plus forte et le premier empire européen s'effondra. Un autre aussi a disparu, qui laissa d'autres souvenirs, d'autres vestiges. Les plaies à peine se cicatrisent. Les maisons, les rues anéanties il y a 12 ans par les bombes volantes sont refaites. Sur le quai de Coron-Meuse, lentement, trop lentement sans doute, s'édifie une cité neuve. Le pont de Fragné a été reconstruit 2 fois,
On le refait après chaque guerre. Mais le temps passe, la Meuse s'écoule, le va-et-vient des chalands, c'est la liberté retrouvée pour les hommes d'aller et venir à la rencontre les uns des autres. Les quais où s'attardent les gavroches, les quais de Liège qui n'ont pas de chanson. Quai de la Batte, quai de la Goffe. Ici badaude le peuple du dimanche. Ici flâne le touriste en quête de pittoresque ou de bon marché. Marché aux puces, semblable à ceux d'ailleurs. Toujours pareil et pourtant jamais lassant pour ceux qui savent voir. On y trouve de tout, bien entendu, absolument de tout. La maison Curtius est un musée d'histoire, maison et non château. Jean Curtius ne prétendait point à la noblesse, ni ne rêvait d'y être admis. Il fut un des premiers capitalistes liégeois. Sa demeure témoigne de la puissance neuve de l'argent. Symbole de la bourgeoisie montante, elle se dresse face aux églises. Elle défie les palais. Ces chapelles suspendues, appelées potales, datent, dit-on, du XVIe siècle, qui fut, après les guerres de religion, celui de la restauration catholique. Croyance pour croyance, ici l'on sert le hasard. Au pied d'une tour romane de l'an 1000, un orgue de barbarie. C'est le dernier. Dommage. Seuls les marchands de crème glacée roulent encore carrosse. Les chemins mènent à la place Saint-Lambert, où se dresse, depuis 9 siècles, depuis Notre-Gé exactement, le palais des princes-évêques. Le bâtiment actuel date du XVIIIe siècle. L'arbitraire y régna, rarement coupé de mansuétude. Les temps ont changé, on y rend aujourd'hui la justice. Thank you.
perron n'est pas seulement une fontaine, c'est aussi le symbole des libertés communales. Il fut souvent abattu et toujours redressé. La montagne de Buren s'appelait jadis Fond-Pirette. C'est par cette rampe que, dans la nuit du 29 au 30 octobre 1468, 600 Franchimontois pénétrèrent dans le camp de Louis XI et de Charles le Téméraire. Ils furent vaincus à l'aube et leur défaite donna le signal du pillage de la cité. La basilique Saint-Martin fut élevée sur les ruines fumantes d'un temple plus ancien. Dans la nuit du 3 au 4 août 1312, gens de métiers et chanoines armés y poussèrent les nobles révoltés contre le gouvernement de la commune. Impitoyablement traité, le peuple fut impitoyable. De sa victoire, il fit sa vengeance, brûlant l'église avec ses occupants. Le mal Saint-Martin, dit la chronique, régla les vieux comptes. Devant le théâtre royal, la statue d'André Modeste Grétry. Liège donna ce grand musicien à la France et au monde. Il fut ami de Voltaire, qui lui dédia ce quatrain. La cour a sifflé tes talents, Paris applaudit tes merveilles. Grétry, les oreilles des grands sont parfois de grandes oreilles. Dans le piédestal se trouve l'urne contenant le cœur du musicien. Grétry, vieux temps, César Franck, Isaïe, une grande tradition est née ici et subsiste. Elle déborde et continue de déborder les frontières de la cité et du pays. Oublié dans ce parking, perdu, souillé, une tombe vénérable entre toutes, celle de Sébastien Laruelle, que le peuple aima et qui aimait son pays. Il fut assassiné pour avoir défendu contre l'arbitraire impérial les droits et l'indépendance de la cité. Pour la sauver, il avait fait appel à la France. La France, toujours présente au cœur des Liégeois, Paris sert de modèle. Paris favori à coup sûr. Le père de Jean-Christophe préféré au Liégeois Georges Simenon. Paris donne le ton. La France, toujours la France à toutes les sauces. De Saint-Denis les dernières parlottes avant le souper. La journée s'achève et bientôt le mari, le fils seront de retour. Le vicinal a repris sa cargaison humaine.
Ceux qui ont travaillé regagnent les hauteurs. L'impasse des Ursulines reprend à 7 heures son allure de coupe-gorge. Le soir tombe sur les corons. Voici la fin du jour. Tout rentre dans l'ordre, un ordre lézardé dont la nuit cache les fissures. Comme le firent leurs parents il n'y a pas si longtemps, les enfants jouent à la guerre. Ils s'entretuent pour rire. Les terrils sont des montagnes qu'il faut prendre d'assaut. La loi est celle du plus fort. La citadelle est tombée, c'est la nuit. Mais demain, quand les yeux s'ouvriront, demain, il fera jour. Et 40 ans plus tard, fait-il jour enfin? Ce genre de questions n'a plus guère de sens aujourd'hui. Le rail fait d'un bon acier ne mène plus nulle part, et l'herbe sauvage n'a plus droit de cité. Le baladin pourtant y trouvera son chemin. Avoir un fleuve, c'est une chance pour une ville. Ça vous berce, ça vous raconte des histoires, drôles ou pathétiques, vraies ou fausses. Des légendes rassurent, la vérité de la pensée. Ici, deux fleuves font l'amour. La Meuse qui nous vient de France, l'ourte rivière de Wallonie. La géographie devient symbole.
Toute la ville se modernise avec frénésie. C'est le prix à payer pour qu'à nouveau se créent des havres de paix. Tu vois le prix des loyers maintenant. S'il ne faut jamais déménager le Carmelo. Siménon, Georges Siménon, vécut ses jeunes années dans ses rues. Il a son auberge. Les morts restent jeunes. Et Saint-Folien, l'église, qui évoque son pendu, un roman de jeunesse. L'ancien et le nouveau voisinent, parfois avec bonheur comme au Verbois, ce vieil hospice restauré par la région wallonne. Ce monument, le perron, est très ancien. Il est pour le Liégeois symbole de liberté et de fronde. Passé tumultueux, passé prestigieux, la mémoire est sélective. La halle aux viandes date du XVIIe siècle. Elle a laissé crouler sous les quartiers de boucherie. On la restaure avec le plus grand soin.
Un jardinier, chacun le sait, est forcément un philosophe. Et l'homme sage ne lève pas les yeux sur la laideur menaçante. Montagne de Buren, encore intacte. Les promoteurs n'oseraient pas s'y risquer. Si s'en franchit mon toit, les en remercie. Dans les années 50, c'était un ballet visuel de jolis tramways. À présent, ce n'est plus qu'un carrousel anarchique sur cette place Saint-Lambert, maintes fois saccagée par des iconoclastes et autres indigents culturels ces dernières 20 années. Le repentir est enfin venu, et sous la dalle de béton, quelques vestiges archéologiques, sauvés de justesse par de vrais citoyens. Une ville du sud, en plein du soleil, on se croirait en Provence ou en Espagne. Tu vois. Les rues sont bourrées d'un sac, tout le monde se parle, c'est vraiment agréable. Il y a aussi le 15 août. Oui. Ça, c'est une fête. Liège a failli connaître son métro. L'affaire est classée, c'est tant mieux, c'est tant pis. Des trains circulent encore qui traversent la ville, sous la colline de Pierreuse, un petit quartier populaire aux allures villageoises. Une fois par semaine, monsieur, les mioches et madame ramènent la mangeaille dans la carriole. C'est tellement plus gentil que de pousser un caddie.
La vidéo, paraît-il, peut inciter à la violence. Mais quand on braque ces gens-là, il faut être une parfaite crapule. Car c'est tiré dans le dos d'un petit salarié. Vous connaissez la chanson « T'en as, moi pas, quand j'en aurai ». Alors un petit loto, ça fait rêver et ça peut rapporter gros. Le risque est nul et c'est légal. Tout est légal, même au rabais. Le citoyen, plongé dans la ritournelle mercantile, n'est plus qu'un derviche tourneur. Avant, il produisait. À présent, il consomme. Le tout et le rien. Les chimères sont passagères. Et quand il le faut, si on le peut, on se rend à l'évidence. À la maison Providence. S'alimenter, se couvrir, s'offrir un superflu pour dimanche, tout est possible. Mieux vaut pourtant bien connaître ses fins de mois. Il n'y a pas de mystère. Une galerie marchande parmi d'autres, une rue de Liège en somme, protégée du chaud, du froid et de la racaille. De jour et de nuit, sur fond d'ogive, vous recevrez l'hostie, du fric, le vôtre, déposé secrètement à la paroisse bancaire. On se mondialise, n'est-ce pas? Alors en un clin d'œil, on devient bilingue, à peu de frais. De temps à autre, ils se promènent à travers la ville, à leur façon, façon manif à deux roues, pour de l'oxygène superplus. D'autres manifs encombrent parfois la circulation. Mais le trafic auto est le premier coupable. Cet officier de police, l'homme aux multicaméras, veille tel un gardien de phare. Voilà, la bougette, hein.
se faire le coup comme ça l'année dernière, à peine arrivé que vous êtes en avion. Pas beaucoup, c'est des petits bouchons. Jamais vu un mot pareil. Impasse de l'Ange, quartier restauré. Gentils enfants, Barbie jolie. Innocence et douceur de vivre. Ailleurs, à Droix, en proche banlieue, c'est moins facile. Les bâtiments datent de 1956. Ils se fissurent. Population hétéroclite et en surnombre, vandalisme juvénile, mais on fait comme si le quartier était résidentiel. Et à certaines heures, on savoure le calme, toute race confondue.
c'est plus petit comme ça qu'on a plus. Oui. 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 Oui, mais il faut garder pendant au moins un mois, ça ne donne pas d'accord. Bonjour, bonjour. 5, 4, 5, 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 On appelle ça un couteau anti-divorce. Pour les femmes qui ont des maris qui coupent dans les poils, bonne nouvelle, il ne faut plus divorcer. Vous lui donnez le couteau, avec ça, il peut couper dans la poêle, c'est fait pour ça, et ça coûte beaucoup moins cher qu'un avocat. Hein. Alors regardez, dans ce cas-ci, vous avez les trois les plus grands et les accessoires. Au lieu de 5 800 francs, c'est toujours 4 000 francs, bien sûr. Et à l'achat des trois, aujourd'hui, la firme autorise de vous offrir la quatrième. Tiens, elle est là, ça tombe bien. 800 francs. N'oubliez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Filles en vitrine, nid de chair, baie de cire, évanescence figée pour serments éternels au coin des rues. Le dérisoire et l'absolu sont pain quotidien. Pressons-nous d'aller ailleurs, quelque part ou nulle part. Visage d'un jour. Rencontre furtive, ma ville multicolore et cosmopolite. Ma ville enrichie, ma ville appauvrie. Qui sont ces gens? Dans 40 ans, que seront-ils devenus? À chaque jour suffit sa peine, à chaque instant suffit sa joie. Le transitoire est à la mode, la liberté est fugace. Feu d'artifice d'un soleil qui s'amuse. Le fleuve scintille dans le miroir aux alouettes. La Meuse, mon fleuve. En amont, la France, vers qui tendent bien des regards. En aval, Maastricht, la ville des accords et d'autres désaccords. Derrière nous, la Flandre, les belles terres de Bruegel et d'Eulenspiegel. Peuple voisin et souvent solidaire, mais au plat pays. Quelques fâcheux, s'il le pouvait, empêcheraient le soleil de passer par ici. La sottise, si l'on y prend garde, peut générer d'autres sottises, celles qui éludent les vrais problèmes. Alors, demain, dans 40 ans, qu'en sera-t-il ?